Et bonjour tout le monde, c'est Dr Chips et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing de coffret collector. Donc on va ouvrir le coffret collector de l'Atelier des Sorciers tome 10. Un coffret sorti récemment, déjà il y a quelques, je crois une semaine à peu près, au moment où je tourne cette vidéo, près de 18 euros, qui est quand même plutôt épais, on va pas se le cacher, on voit un peu la taille du goodies. On va voir un petit peu ce que ça nous réserve du coup. Donc c'est vrai que ça fait un moment qu'il n'y a plus trop de sorties collector ni de vidéos sur la chaîne. Vidéo de toute façon j'avais expliqué ça dans la dernière vidéo qui était sortie et dans d'autres aussi, mais il y a d'autres choses de toute façon qui sont prévues. Mais voilà, j'ai envie de prendre une petite pause sur certains trucs et au niveau des coffrets collector, alors il y en a un qui est prévu normalement aussi sur un tome de l'Atelier des Sorciers en édition étrangère, quand je parlerai, qui aurait déjà dû sortir, mais il faut encore que je finisse quelques trucs. Donc j'essaierai peut-être de finir ça dès que j'aurai le temps pour quand même vous sortir la vidéo. Et en attendant, je me dis, bah, on va essayer de sortir un peu un petit collector qui est sorti récemment. C'est pas sur l'Atelier des Sorciers. On va voir le goodies après. On va déjà voir le tome avec une couverture. Alors, je pense qu'au niveau des couvertures alternatives qu'on a, c'est peut-être pour moi celle que je préfère le plus. Parce que là, on a vraiment bien les quatre personnages. C'est un beau design qui fait aussi un petit peu l'adaptation animée. C'est vrai qu'il y a une adaptation animée qui a été annoncée pour l'Atelier des Sorciers. J'ai hâte de voir ce que ça va donner quand même. Même l'arrière, en vrai, il est assez beau. Petite mention Pika, ouais, toujours couverture réversible, on se le cache pas. Avec un personnage, alors lui me dit plus rien maintenant. Aura peut-être un personnage qui apparaît dans ce tome. Et là, pareil, la couverture normale. Donc ouais, j'ai quand même j'ai l'impression qu'il est assez fin en vrai le tome. Je sais pas si c'est une impression ou pas. Mais ouais, donc l'adaptation animée, je vais pas regarder les pages dedans. J'ai pour éviter de vous spoiler et de me spoiler moi aussi si jamais certains trucs que je me souviens plus trop. Mais ouais, l'adaptation animée, j'ai quand même hâte de voir un peu ce que ça va donner, puisque pour ceux qui lisent la série, même je peux vous montrer à la gare un petit dessin rapidement. Rien que la première page, la page de couverture, et quand même des dessins assez particuliers, assez jolis. Et je me demande quand même comment ça va rendre. Pareil pour le découpage. J'espère qu'ils vont pas se foirer pour la série. Du coup, le petit coffret contient le sceau des sorciers, avec un petit tutoriel vidéo ici, à lire absolument en utilisation, ce n'est pas un jouet, ouais. Pas laisser à portée des enfants, risque de brûlure lorsque vous manipulez le feu pour faire fondre la cire. Prenez garde de ne pas laisser l'objet susceptible de s'enflammer à proximité. Ouais. Les accessoires doivent être utilisés conformément au mode d'emploi présenté dans la boîte, donc il y a même un mode d'emploi. Ne pas laver avec un produit abrasif ou corrosif, ouais, pour éviter d'abîmer la texture. Manipuler avec précaution lorsque les accessoires sont chauds. Utiliser dans un environnement aéré, ouais. Attention, veuillez bien laisser refroidir les accessoires après manipulation. Qui date de 2021 d'ailleurs, alors je sais pas si c'est au moment où ils avaient lancé la production de ce collector ou pas. Ou c'est peut-être le collector japonais qui est sorti en 2021, c'est possible aussi. Ok, un peu de scotch ici, on va couper avec les ciseaux tranquillement. On a un petit aperçu là d'ailleurs de ce que ça contient. Donc on a un sceau ici, c'est un peu ce qu'on peut retrouver pour ceux qui suivent peut-être par exemple les vidéos de Louis San ou même qui sont un peu renseignés sur la culture japonaise. C'est en gros quelque chose qui sert un peu plus genre pour mettre un tampon pour les lettres. Tampon pour les lettres ou pour c'est peut-être marqué dessus. Non, ils disent un peu ce que ça donne. Contient voilà un sceau, deux bâtonnets de cire en mode d'emploi. Avec les matériaux et tout ça c'est cool. Dépôt légal août 2022, ouais, donc moment où vous devez sortir le collector. C'est parti, la boîte pas forcément évidente à ouvrir. Ah, c'est parce que j'avais mal coupé en haut. Mais ouais, c'est en gros une sorte de petit tampon qu'on peut mettre sur les lettres ou sur des documents officiels. Du coup, la boîte dans un carton plutôt fin quand même, on va pas se le cacher. Du petit carton. Le mode d'emploi, on va commencer avec ça. Précaution d'emploi. Donc, on vient pas aux enfants de 14 ans. Bon, je vais pas tout lire hein, parce que sinon on en a pour 10 minutes de vidéo. Le mode d'emploi aussi là avec un petit QR code pour utiliser, pour voir comment mettre le sceau. Je mettrai peut-être la vidéo en description pour ceux qui veulent la voir. Je crois que Pika avait mis de toute façon la vidéo sur Twitter. Voilà ensuite les deux petits bâtons de cire qu'on va pas les sortir. Ouais. C'est plus un objet de collection que un objet que je vais vraiment utiliser. Pas vraiment l'utilité de prendre des sceaux. Ouais donc deux bâtons de cire, un peu doré et un autre bleu. Pourquoi bleu, je sais pas trop, peut-être pour coller un petit peu à l'aspect de la boîte. La boîte qui est quand même assez sympa, en fait. Même l'intérieur déjà. Bien, un peu quoi, un peu cassé ici ou quoi? Un peu plié, ouais, j'ai l'impression. Après, c'est peut-être à cause du transport. Et le sceau qui, oh, est un peu lourd quand même. Pas si vous entendez peut-être. La partie en métal là, il est un peu lourd. Le bois qui était pas bien vissé. On peut le dévisser d'ailleurs. C'est ce qu'on va faire. Moi, je casse tout. Ok, donc ça se fait comme ça.
le focus si tu veux bien. Donc ouais, c'est vraiment la partie en métal qui a une texture assez particulière. Je pense que ça a été gravé dessus, si je dis pas de bêtises. Voilà, qu'est-ce qui se passe avec la vidéo? C'est quand même plutôt joli. Je pense que ça va être les reflets de la lumière. Et la partie du bâton de bois qui en vrai, alors je sais pas si c'est un truc artisanal ou quoi. Je trouve que ce soit de toucher ou même le focus si tu veux. Voilà, merci. Soit touché ou même un peu à la texture. Enfin, la texture. Ou même lorsqu'on regarde comme ça, je trouve qu'il est assez joli. Une prise en main assez facile. Alors, ouais, je crois que c'est les reflets qui reflètent sur la caméra, donc on va éviter de les utiliser. En gros, à l'utilisation, donc en gros, on a juste à chauffer la cire sur une bougie, l'appliquer dessus, et ensuite à poser le sceau là où est-ce qu'on veut, par exemple, sur la main. Éviter sur les mains quand même, hein, on va pas se le cacher. C'est plus sur des lettres ou des documents officiels. Du papier, pareil, peut-être éviter de le faire parce que ça risque de cramer. Et du coup, je crois que c'est tout, ouais. Il n'y a rien d'autre dans la boîte. Il y a juste du carton encore. Reste de la boîte qui, bon, c'est déjà un peu. Après, c'est des boîtes déjà un peu plus grandes que ce qu'on avait avec Space Family déjà. Donc, vraiment, là, le Goodies Collector était resté un peu coincé dans la boîte. Ça, pareil, on va le ranger. Bon, on va ranger tout, hein, clairement, parce que comme dit, c'est pas un objet que j'ai vraiment utilisé. C'est plus un peu pour la collection et pour voilà, avoir un objet qui représente un petit peu ce qu'on peut trouver dans la série, même si c'est pas quelque chose qu'on trouve dans la série, mais ça fait un peu. Mince, il faudrait que je revoie un peu la série. Il y a peut-être des moments où il y a certaines lettres qui sont signées et tout ça, mais ça fait un peu un truc un peu luxe, féerique et tout ça. Ça se rapproche un petit peu de ça avec le manche en bois. Et pareil, la cire, on peut penser à la cire pour soit faire des dessins, essayer de voilà, tamponner avec des encres magiques. Ça peut être. D'ailleurs, en vrai, j'avoue, ça serait super stylé parce qu'on a déjà des sorciers qui dessinent au pinceau des sorts. Donc ça serait stylé d'en avoir un qui utilise comme ça un sceau pour utiliser ses sorts justement. Bon, faudrait quand même de la cire sur lui, mais ça permettrait ben, déjà de pas avoir besoin de faire gaffe au tracé. Et utiliser des sorts peut-être de manière un peu plus rapide. Donc alors j'avoue que ça serait une petite idée. Alors peut-être que ça sera développé dans Storm ou peut-être pas du tout, hein, c'est possible aussi. Mais j'ai quand même hâte de voir un peu ce que ça va donner. Si ça a peut-être un sens caché ou je sais pas quoi. Donc voilà, ouais, cette couverture vraiment magnifique, je vous la remontre encore une fois. Avec les différents personnages, dont j'ai oublié les noms, je sais qu'il y a Coco, le personnage principal. Et les autres, est-ce que c'est pas marqué tout devant d'ailleurs? Non, c'est pas marqué. Ce serait bien aussi de remettre ça quand même, hein, de temps en temps. Qu'en plus, le rythme entre la sortie de chaque tome est plutôt long. Alors, un petit mémo de comment s'appellent les personnages, ce serait plutôt cool. Ou un petit résumé de l'histoire. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, une petite vidéo de reprise un petit peu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter ou vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Et sur ce, je vous dis bye tout le monde.